Hello mes poppies, nous sommes de retour pour ouvrir les nouvelles pochettes du calendrier de l'Avent et nous en sommes au numéro 4. Donc c'est déjà le quatrième jour où l'on va découvrir le contenu de ces enveloppes. Alors j'ai mon petit panier juste à côté de moi et il me reste à trouver le numéro 4. Ah ben voilà, il est juste là. Donc voici la pochette du numéro 4. Je vous rappelle que ce calendrier de l'Avent, eh bien, provient de la boutique Mille et Une Créations. Et aujourd'hui, nous découvrons eh bien, un feutre à alcool spectrum noir. Et donc, au niveau de ce feutre, je vous ai déjà donc réalisé une carte. Donc dans la première vidéo, vous avez découvert donc une colorisation au feutre à alcool. Eh bien, je vous remettrai tout simplement les photos de cette première découverte, car justement, j'ai utilisé le spectrum noir pour faire ma colo. D'accord? Donc, je vous remettrai juste après cette partie les différentes photos et comme ça, vous pourrez voir un peu comment on peut utiliser ces feutres à alcool pour faire une colorisation. Voilà. Soit dit en passant, ces feutres à alcool, je les aime beaucoup. J'avais commencé une collection de spectrum noir également de nouveau. J'avais reçu par certaines d'entre vous dans mes envois des promarqueurs et quand j'étais passée en Belgique, j'en avais récupéré également chez Créa Corner, voilà, boutique de scrap sur le Namurois. Et je dois vous avouer que j'aime beaucoup combiner les trois marques. Voilà. Alors, donc rendez-vous dans les photos juste après cette vidéo pour voir un exemple, eh bien, de colorisation avec ces feutres spectrum noir. Voilà, je vous dis donc à demain pour découvrir le numéro 5. Passez une excellente fin de journée, mes poppies. Ciao! Je suis de retour pour le calendrier de l'Avent et de l'après. Et ben nous en sommes déjà au cinquième jour. Alors, j'ai ma petite corbeille magique. Et c'est parti pour ben pour la pêche au cadeau. Et cette fois, c'est le numéro 5 que nous cherchons. Encore une fois, je ne les ai pas mis dans l'ordre volontairement parce que je trouve sympa tous les jours eh bien, de chercher après le numéro. Ah, le voilà. Le numéro 5. Alors, nous découvrons, eh bien, de la colle, c'est une colle universelle, donc All Purpose Glue. Donc ça veut dire que cette colle, vous pouvez l'utiliser sur tout support, que ce soit le papier, la cartonnette,
tout ce qui est tissu, tout ce qui est dentelle. Je pense que ça doit être précisé ici. Alors voilà, papier, carton, cuir, bois, céramique, verre et plusieurs modèles plastiques. Voilà. Donc, bien sûr, je ne vous ferai pas une démo avec cette colle, puisque tout simplement, vous savez à quoi ça sert, hein. Voilà. Et donc, j'ai envie de vous dire, c'est intéressant d'avoir ce type de colle dans votre atelier, parce que parfois, on ne sait pas trop quelle colle utiliser pour la dentelle, pour différents types, on va dire, de matériel qu'on a à sa disposition, mais on ne sait pas toujours de quoi c'est composé. Et donc, j'ai envie de vous dire, c'est super intéressant, par exemple, pour coller nos embellissements. Donc, parfois, c'est en résine, parfois, c'est en tissu, en toile de jute. Donc, j'ai envie de vous dire, cette colle universelle, elle porte bien son nom, et bien, toujours avoir à portée de main dans votre atelier. Voilà, donc c'était la découverte bien du jour numéro 5. Donc on avance, on avance, on avance. Eh bien, j'ai envie de vous retrouver tout simplement demain pour la suite de la découverte de ce calendrier de l'Avent. Voilà, passez une très bonne journée, mes poppies. À demain!